Collection est un jeu de collection. Les joueurs prennent des polygones et tentent de créer des séries. Dans Collection, les pièces peuvent représenter un triangle, un carré, un pentagone ou un octogone, et être de couleur verte, bleue, jaune ou rose. Au début de la partie, les polygones sont posés dans la boîte, qui est secouée pour bien les mélanger. Des jetons score sont placés aux quatre coins, du plus grand au plus petit numéro. Ainsi, plus la pile se vide, plus les points de victoire sont importants. Lors de son tour, le joueur actif peut prendre entre 1 et 4 polygones en respectant certaines contraintes. Le premier est libre, mais les suivants doivent avoir un élément au commun avec la dernière pièce prise. Un polygone est accessible s'il ne touche pas une autre forme qui le recouvre. Lorsque le joueur choisit de s'arrêter, il passe à la phase 2 et ajoute les formes du tour à celles de sa collection. Si ces formes valident une ou plusieurs séries, le joueur doit obligatoirement les défausser. Il existe deux types de séries, les séries de couleurs et les séries de formes. Les séries de couleurs ont toutes les mêmes couleurs, mais sont de formes différentes. Alors que les séries de formes ont toutes des couleurs différentes, mais sont de même forme. S'il valide une série de couleurs, le joueur prend le premier jeton score de la couleur correspondante. S'il valide une série de formes, il prend le premier jeton de la pile la plus basse. La partie s'arrête lorsqu'il ne reste plus aucun polygone dans la boîte. Les joueurs procèdent au décompte des points. Ils additionnent les chiffres sur leur jeton score et retirent un point par forme encore présente dans leur collection. Celui qui a le plus de points remporte la partie. À 2 et 3 joueurs, les règles de base s'appliquent. À 4 joueurs, chacun dispose d'un lot de 3 jetons pouvoir. Les jetons permettent de voler une pièce à un adversaire, d'échanger l'un de ses polygones avec celui d'un autre joueur, et de défausser l'un des jetons de la boîte. Mais attention, chaque jeton est défaussé après utilisation et rapporte un point en fin de partie s'il est toujours présent. La variante expert se joue sans jeton pouvoir. Par contre, lorsqu'un joueur prend deux polygones identiques, il peut immédiatement utiliser l'un des pouvoirs. Le jeu propose aussi une variante par équipe, en 2 contre 2. Chacun possède sa propre collection, mais peut donner le dernier polygone pris à son équipier. Pour conclure, Collection est un jeu de collection qui se joue directement dans la boîte. Les règles sont simples, mais il faut réfléchir à long terme pour ne pas laisser de trop belles pièces à ses adversaires et attendre le meilleur moment pour valider ses séries.